Bonjour à tous les gamers, on se retrouve sur Dragon Age Inquisition pour la suite. Je sais plus à combien d'épisodes qu'on est rendu, mais j'ai envie de dire ce n'est que le début. Je pense que ça va être très très long. Du coup, la dernière fois, il me semble que j'étais pleine comme une barge. Je n'avais plus de place dans mon inventaire. Donc on va voir un petit peu si on peut mettre des choses, si on peut les jeter, enfin, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Mangeur d'âme. Ah, je l'ai. Oui. On va mettre quoi autrement? Parce que là, du coup, j'en ai qu'une en fait. Je vais regarder un petit peu hein, ce que je peux mettre. Tranquillou. Bon. Ok. Ensuite, lui. Lui, j'avais mis quoi déjà la dernière fois? Bâton fourrement. Ça fait dégâts de feu et dégâts électriques. Ok. Ça marche. Et Sera. Du coup, Sera, elle a ça. Voilà, genre ça par contre, je sais que je peux le détruire. Alors, Carquelon d'officier féreldien et dalassien. Ouais. Ensuite, Blackwall. Tu as quoi actuellement? T'as un brise roche nain. Ok. Ça, je sais que je peux le détruire aussi. Je sais très bien qu'ils vont pas, ça va me servir. Ouais, je vais te mettre ça, mon garçon. On va prendre ça. Ensuite, armure. Merde. Armure. Ouais, je vais prendre Chine d'abord. Chine d'abord. Ouais, ça, je peux carrément les détruire parce que. Je sais que ça ne servira à rien. Dorian. Bah, désolé. Toi, tu as déjà quelque chose. Mur d'éclaireur, c'est pareil. Hein. Blackwall. Pour point d'avant-garde. Ouais, ça fait baisser un peu. Ouais, non, c'est pas vraiment probant quoi. Accessoire. Amulette de recharge, de chance de coup critique, ceinture de sécurité. Ceinture de sécurité, oui, ceinture. Attention, mais la ceinture de sécurité. Anneau de bombe vivante, c'est quoi ça? Bon, c'est dégâts de capacité de 30%. Ok, vas-y, mets ça, mon garçon. Réduire le nombre indiqué le temps en charge de toutes les capacités. Ok, vas-y, mets ça aussi. C'est quoi ça? La durée de capacité de 30%. Ok, vas-y, mets ça. Frappe du pommeau. Augmente les dégâts de la capacité de 30%. Réduit du nombre indiqué de ton recharge de capacité. Bah, je vais te mettre ça, hein, tiens. Et du coup, Shina, j'ai mis quoi? Allô, a fait tomber ça de sa cage. Ouais, je fais toute chose. Hein. En même temps, je parle de tout en même temps. Alors ensuite, recette, je vais mieux. Matériaux de fabrication. Bon bah voilà, déjà c'est pas mal, on est à 52 sur 60. Donc c'est déjà ça. Alors ensuite, on a quoi? Ok. Je crois que j'ai pris le même casque que je viens de jeter il y a 5 secondes, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais plus si j'avais fouillé en fait, donc je fouille. Hein. Je crois que j'avais fouillé en plus, je suis pas sûr, mais je crois. Alors, on a quoi? Non. Ensuite, ouvrir. Pour
On a ça. Et avant fuseau. Ouais, vas-y, prends. Plein, y'a pas de soucis. Hop, on a un petit coffre là. Hop, on prend. Non, c'est le truc que j'ai pas pris tout à l'heure, ça. Mais putain, mais poussez-vous. Oh, c'est pas vrai, ça. Allez, China, tu ouvres ça tranquillement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? C'est quoi ce truc qui pue la merde? Putain. Tu m'as foutu les boules, mon gars, sérieux. Ah merde. Eh merde, il est parti, le monsieur. Eh, il est déjà mort! Putain, la vache, vous lui avez éclaté la gueule, quoi. Ah, éclate les rires, mon gros. Savoir comment ouvrir cette porte. Guerrier. Donc, la quoi, là? Mais ouais, mais je passe pas, quoi. Eh, ouais, mais je passe pas du tout. Putain, et... Samit. Ok, vas-y, prends. On a un livre... Comme d'hab, je vous fais lire. Ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? On peut monter, mais je pense que ça va s'inverser tout le monde. Non, on peut pas monter comme ça. Au moins, c'est fait. Donc là, on n'a rien du tout. Là, on a une porte qui ramène... Ok, en fait, tu fais tout pour rien. C'est chouette. Trop chouette. On a quoi, là? Épée longue. Non. Non, je ne la prends pas. C'est un peu spé, je trouve. Un peu spé, même beaucoup spé, je trouve. Il nous faut amener là et il n'y aurait rien. Laissez, je m'en charge. Tu t'en as chargé? Vas-y, écoute, y a pas de souci. Fais. Je comprends pas trop en fait l'intérêt. Peut-être moi, mais. Je crois que j'ai pas été là. Je suis à moitié paumé, hein. Franchement, je vous avoue que là. Je suis à moitié paumé. Bon, du coup, on va aller affronter la pâté, monsieur. On va aller en face. Le sort d'Alexius a fait beaucoup de dégâts. Des failles ont déchiré tout le sud de Tedas, à commencer par ici. Mais qui sait si c'est l'œuvre d'Alexius? Coup de la brèche. Je fais boire une potion, hein, c'est un doute de prendre des potions pour rien. Hop, on continue. On a déjà été à... C'est moi ou c'est un labyrinthe, hein? Franchement. On va ouvrir, de toute façon. Nous revoilà. Alors, vous êtes seul? Pas de Minatori cette fois, Alexius? Où est le piège? Vos gardes? Ça ne sert plus à rien. Je m'attendais à vous revoir. J'ignorais que ce serait maintenant, mais je savais que je ne vous avais pas vaincu. Mon ultime échec. Ça en valait vraiment la peine? Tout ce que vous avez infligé au monde, à vous-même? Ça n'a plus d'importance. Il ne nous reste plus qu'à attendre la fin. Je ne suis pas de cet avis. Je vais arranger les choses. J'ai essayé tellement de fois.
Le passé ne peut pas être changé. Tous ces combats, toutes ces trahisons. Et qu'est-ce que j'ai provoqué? Mort et ruine, voilà le résultat. L'ancien va venir, pour moi, pour vous, pour nous tous. Ah. Félix! C'est Félix? Nom du créateur Alexius, qu'est-ce que vous avez fait? Il allait mourir, Dorian. Je l'ai sauvé. Ne faites pas de mal à mon fils. Je ferai tout ce que vous voudrez. Envoyez souffrance, Rogelio, donnez-nous l'amulette. On le relâchera si vous nous donnez l'amulette. Libérez-le, et je jure de vous la donner. Rendez-nous le monde. Non! Non! Ah bah ouais, voilà, tu l'as énervé maintenant. C'est malin, ça, tiens. Putain. Il est où? Merde. Ah, j'ai plus de grenade. Nous serons assassins cette fois. J'attaque dans le vide, j'attaque dans le vide. Je nappe, je fais nappe, 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 nappe. Allez, voilà. Allez, c'est bon, vous y êtes, les gars. Ah, faut fermer la faille, excusez-moi, j'ai pêché. Allez. Allez, on peut y arriver. Allez, les gars. Allez. Ah, oh, putain, il fait chier, ça. Allez, au revoir. Allez. Franchement, on gère super bien. Allez, c'est bon. Là. Allez, ça c'est fait. Allez, on peut y arriver. J'y crois. Allez, franchement, on est bien. On n'est pas une, il n'y a pas une personne de mort. Franchement, on est très très bien. Voilà. Qu'est-ce que je disais? En fait, il voulait mourir. Toutes ces histoires qu'il se racontait, les justifications. Il a perdu Félix il y a longtemps et il ne s'en est même pas rendu compte. Oh, Alexius. Cet Alexius était allé trop loin. Mais l'Alexius de notre époque entendrait peut-être raison. Possible. C'est cette amulette qu'il a utilisée. Je crois que c'est celle qu'on a faite à Minrati. On a de la chance. Donnez-moi une heure pour travailler sur le sort dont il s'est servi. Et je devrais pouvoir ouvrir la faille. Une heure? C'est impossible. Vous devez y aller maintenant. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont gagné. On part devant. On va en tuer autant que possible. Leliana, vous êtes la dernière ligne de défense. Ne vous retenez pas. Mmh.
Et si on n'y arrive pas à temps? Alors cette réalité sera notre réalité pour toujours. Regardez-nous, on est déjà morts. Notre seule chance de survivre, c'est d'empêcher ce jour d'arriver. Votre sort! Vous avez autant de temps que j'ai de flèches. Ok! Bon, bah ça va être sympa. Les ténèbres se rapprochent, mais je suis protégée par la lumière. Andraste, me guide. Je suis à toi. Si vous bougez, on y passe tous. Il va falloir faire mieux que ça. Vous avez échoué, Alexius. Votre ancien est du genre Clément. Vous avez gagné. Inutile de faire durer cette mascarade. Félix. Tout finira par s'arranger, père. Tu vas mourir. Il faut bien mourir un jour. Eh bien, content que ce soit terminé. Ou pas. Grande Enchantresse, nous aimerions discuter de la façon dont vous avez abusé de notre hospitalité. Vos majestés, en offrant l'asile aux mages, nous ne leur avons en aucun cas donné le droit de chasser notre peuple de chez lui. Roi Alistair, Reine Anora, je vous promets que ça n'a jamais été notre intention. Suite à de tels agissements, vos bonnes intentions ne suffisent plus. Vos disciples et vous n'êtes plus les bienvenus ici. Quittez Ferelden, ou nous vous y forcerons. Mais des centaines d'entre nous ont besoin de protection. Où va-t-on aller? Vous allez venir avec l'Inquisition. Et quelles sont les conditions de cet arrangement? J'espère que ce sera mieux que ce qu'Alexius vous a proposé. L'Inquisition vaut mieux que ça, non? Les gens se donnent rarement à 100% pour leur ravisseur. Après ça, enfermez-les tous dans une tour. Je crois qu'on n'a pas vraiment d'autre choix que d'accepter votre offre. Vous êtes nos prisonniers ou vous êtes nos alliés? Forcer les mages rebelles à servir l'Inquisition ou proposer une alliance étroite avec les mages rebelles? C'est quand même mieux, ça. Ce serait un honneur que vous combattiez aux côtés de l'Inquisition. C'est une offre généreuse, mais est-ce que le reste de l'Inquisition saura l'honorer? La brèche menace tout Edas. On ne peut pas se permettre d'être divisé. On ne peut pas se battre sans vous. Tout espoir de réussite passe par votre soutien total. C'est une offre généreuse. Je doute que vous en receviez une meilleure de notre part. J'accepte. Ce serait idiot de refuser. Je vais rassembler mon peuple et le préparer au départ pour Dars. On refermera la brèche. Vous ne regretterez pas de nous avoir tendu la main. Eh ben... ben voilà, hein. Le Géréon Alexius a plié bien correctement. On y est arrivé bien tranquillement aussi. C'est cool, franchement c'est cool. Ça fait plaisir, on a les mages de nos côtés en plus.
Et puis, petit bonus, petite cerise sur le gâteau, comme on dit. Je sais pas si vous avez vu en bas à gauche quand il y a eu la discussion, en fait. Cassandra désapprouve grandement, je crois que c'était la phrase exacte. Donc, si ça peut ne pas plaire à Cassandra, ben, j'ai envie de dire autant en profiter. Si en plus ça fait plaisir à moi. Ce n'est pas sujet à discussion. Il y aura des abominations parmi les mages, et nous devons y être préparés. Si nous retirons notre offre d'alliance, l'Inquisition aura l'air incompétente, si ce n'est tyrannique. Qu'est-ce qui vous a pris de libérer ces mages et de les laisser sans surveillance? Le voile est déchiré. Je leur ai menti, voyez cela comme un essai, ils méritent d'être libres, il faut qu'ils nous aident. Voyez cela comme un essai. Accordez-leur une liberté provisoire. S'il s'avère qu'ils n'en sont pas dignes, vous leur imposerez des limites. Combien de vies seront perdues s'ils échouent? Le voile est déchiré. Il y a la menace de possession. Ça suffit. Aucun d'entre nous n'y était. On ne peut pas se permettre de se critiquer les uns les autres ainsi. Le seul but de la mission de la messagère était d'obtenir l'aide des mages, et elle y est parvenue. La voix du pragmatisme a parlé. Juste au moment où je commençais à apprécier cette dispute qui tournait en rond. Tout ce qui compte, c'est de fermer la brèche. Très bien, allons-y, j'ai vu ce qui est en jeu, et le plus tôt sera le mieux. Plus la brèche reste ouverte, plus elle provoque de dégâts. Nous devrions y aller le plus tôt possible. Soit. Nous devrions examiner ce que vous avez vu dans ce sombre futur. L'assassinat de l'impératrice Selene? Une armée de démons? Ça pourrait être l'œuvre d'une secte Tevintide. Orlaïs s'effondre, l'Empire s'élève, le chaos pour tous. Une bataille à la fois. Cela va prendre du temps d'organiser nos troupes et de recruter des mages. Allons au centre de commandement. Venez avec nous. Après tout, c'est votre marque qui donne un sens à tout ça. Adieu ma sieste. J'y serai. C'est un honneur. Merci. C'est un honneur de vous aider à établir le plan. Rejoignez-nous lorsque vous serez prête. Je vais passer le conseil de guerre, mais j'aimerais voir la brèche de près, si ça ne vous dérange pas. Ça veut dire que vous restez? Oh, je ne vous l'ai pas dit. Le sud est tellement charmant et rustique. Je l'aime jusque dans ses moindres recoins. Je ne veux pas de vous ici. Dorian ne rejoindra pas l'Inquisition. Vous voulez vraiment rester? Dorian rejoindra l'Inquisition. Ravi que vous restiez, on vous aura à l'œil. J'avoue être un peu surprise. Nous avons vu tous les deux ce qui pourrait arriver, ce que cet ancien et sa secte essaient de faire. Tout ce qui vient de Tevinter n'est pas néfaste. Certains d'entre nous se battent depuis des lustres contre ce genre d'aberration. Il est de mon devoir de rester avec vous. Cet avenir ne verra pas le jour. Eh ben, ravi. Je ne connais personne avec qui j'aimerais mieux être coincé dans le temps, à venir ou présent. Excellent choix. Mais j'aimerais autant éviter de me retrouver coincé à nouveau, pas vous? Je vais lancer les préparatifs pour envoyer les troupes vers le sommet. Si le Créateur le veut, les mages suffiront à nous garantir la victoire. Bon, bah c'est cool, on a les mages avec nous dans l'Inquisition, on a Dorian. C'est cool, franchement c'est vraiment cool. Je vais directement... Non, directement pas. Je vais vous laisser là, les gamers. Comme ça on a... Voilà, je suis juste devant le conseil de guerre, voilà. Donc je vais vous laisser là les gamers. Donc voilà, on a mis Alexius à genoux, c'est dans cet épisode. Donc épisode assez enrichissant, j'ai envie de dire. Donc voilà, en espérant que ceci vous ait plu. Et nous on se retrouve très bientôt sur Dusso Gaming. Allez, salut les gamers.